Un gros lanta 2021. Candice très proche de son mari sur Instagram. De gros lanta 2021. Candice sportive, tout comme son compagnon. 3 gros lanta 2021. Candice a épousé son compagnon le 31 juillet 2019. 4 gros lanta 2021. Candice a dévoilé quelques photos de son mariage sur Instagram. 5 gros lanta 2021. Candice a fêté ses 1 an de mariage avec son chéri Cédric. 6 gros lanta 2021. Candice amoureuse au ski avec son mari. 7 gros lanta 2021. Candice amoureuse sur Instagram. 8 gros lanta 2021. Candice complice avec son mari sur Instagram. 9 gros lanta 2021. Candice en couple, elle affiche son amour sur Instagram. 10 gros lanta 2021. Candice en couple, elle dévoile le visage de son compagnon. 11 gros lanta 2021. Candice et son mari Cédric. 12 gros lanta 2021. Candice n'est plus un cœur à prendre ce vendredi 12 mars. TF1 donne le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de gros lanta. Au casting, 20 nouveaux candidats se sont lancés dans cette incroyable aventure, dont Candice. À 25 ans, elle est instructrice de survie et son cœur n'est plus à prendre. En effet, la jeune femme partage sa vie avec un dénommé Cédric, qu'elle a épousé en juillet 2019. Non Stop People vous en dit plus. Denis Brognard reprend du service sur TF1. En effet, l'animateur présente la toute nouvelle saison de Koh Lanta baptisée Les Armes Secrètes, dont le tournage a eu lieu pour la première fois en Polynésie française à cause de la crise sanitaire actuelle. Au casting, les téléspectateurs s'apprêtent à faire la connaissance de 20 nouveaux candidats, 10 femmes et 10 hommes. Parmi eux Candice, une jeune aventurière de la Loire qui vit à Saint-Étienne. Elle est instructrice de survie pour des stages qu'elle anime partout en France et à l'étranger, a précisé Le Progrès. Dans son portrait diffusé sur le site de MyETF1, Candice annonce la couleur, le sport, c'est son dada. Je me prépare comme jamais à faire des heures de sport, m'entraîner, dit-elle, et de poursuivre sur son activité. Être expert en survie, c'est avoir du bon sens, du sang-froid, une bonne capacité d'adaptation et un bon mental. Une aventure comme Koh Lanta, je pense que c'est un petit peu le défi ultime que je pourrais me lancer. Je m'interdis de ne pas réussir les choses. La petite phrase, l'essentiel, c'est de participer. Ça je ne comprends pas. Pour moi non, il n'y a de la place que pour ceux qui réussissent. 1 an de mariage célébré sur sa page Instagram, Candice partage son quotidien, de ses activités sportives à ses retrouvailles en famille en passant par ce jour où elle a profité du confinement pour faire du sport chez elle en courant pendant 2 heures autour de son lit. Elle file aussi le parfait amour avec Cédric, son mari depuis juillet 2019. Ensemble, les amoureux profitent de moments complices en vacances, ou lors d'activités extérieures, voire notre diaporama ci-dessus. En juillet dernier, à l'occasion de leur 1 an de mariage, Candice a partagé un cliché inédit de son union avec Cédric accompagné de la légende suivante, 6 juillet 2019, noce de coton. Voilà. Déjà 1 an que nous nous sommes dit oui à la mairie. Encore plein de nouveaux projets en tête, a-t-elle écrit. L'aventurière de Koh Lanta avait déjà publié des photos de l'événement, s'affichant plus radieuse que jamais dans une magnifique robe blanche. Par Clara P.